Dis-moi quand l'enlever là, parce que moi ça va être mon Photoshop là, qui va être là. Good, good, good. Je viens de recevoir la notification. Handshake is live now. Oh, fait qu'on est présentement en ce qu'on appelle un direct. Je vais juste aller faire un test de son. Je vais aller mute Facebook pour pas entendre de thing pendant. Ah. Oh. Ah, there it is. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, attends. Est-ce un problème audio? Est-ce quelque chose de pas correct? Ou... Non, c'est parce que ça avait freeze. Je sais pas pourquoi. Ça m'a pas peur. Ah. Ça freeze. Pour vrai? Ben, ça cut. Oh, you're kidding. Ok, attends, j'ai essayé avec mon cell sur mon LTE, juste pour voir. Ça se peut que ce soit mon internet, ça me parle. Non, c'est pas ça, avait freeze. Attends, je check sur mon cell. Sur mon cell, ça freeze, je pense que quand je check. Ok, c'est probablement mon ordi encore. Mais pourquoi ton ordi fait ça? Je comprends pas. Ça fait deux semaines de suite que ça fait ça. Mais ça le fait. Comme là, tu vois, ça le fait pas. Mais ça le fait seulement quand je suis en full screen. Ah, ok. Alors, je sais pas si c'est Facebook qui est. Qui crush ou pas. No idea. Ok. Ok, on va partager. Ah, je peux même pas repartager en tant que moi sur mon téléphone. Bon, on va faire avec. On va faire avec. Fait que fais tes partages, fais tes affaires, puis on commence après là. Bon, tant qu'à faire. Ah, ok, that's right. Bon. Toi, mon ami. Ah, layer group. Why doesn't it work? Yes. C'est quand tu sélectionnes un affaire, ça se pourrait fonctionner. Oh well, tant pis. On va le faire à l'ancienne. Ah, c'est juste entré. Oh. Alright. C'est prêt? Yes, I am. Yes, you are. Parfait. Ben, désolé pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais pas avoir de cam. Il y a un problème avec la mienne, puis j'ai pas eu le temps de l'arranger, malheureusement. Fait qu'on va faire ça. Mais le magnifique Olivier va être là pour votre plaisir visuel. Ouais, mais c'est pas pour rien qu'on a mis ton partage en plus gros. Exactement. Ah, mais là on n'est pas dans la partie belle. Là. On va faire le champ lexical. Ça, il y a des programmes et des applications pour ça, mais il y a jamais autant de liberté que quand c'est toi-même qui le fais. Puis ça peut sembler désorganisé pour beaucoup de monde, mais pour moi ça va être organisé, puis je vais me comprendre, puis généralement c'est ce qui est important. Mais sinon, pas mal d'applications, pas mal de trucs qui sont utiles. Aussi, une autre affaire, mon champ lexical à moi fonctionne souvent avec mon esprit étrange, ok? Fait que des fois il y a des affaires que je vais même pas avoir écrit, que je vais employer ou blablabla, mais c'est parce que c'est dans ma tête, puis je note pas généralement tout, mais j'essaie de faire de mon mieux aujourd'hui. Pour essayer de montrer le plus possible qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand on fait justement une création de publicité. Exactement. Fait que pour ceux qui viennent de rejoindre le live, tout d'abord, ben, bonjour, bienvenue. Puis aujourd'hui, ben, on fait une création de publicité de A à Z. En fait, aujourd'hui, c'est la création, tout ce qui est visuel, donc le département de Alex.
Moi, je vais être ici surtout pour remplir les trous, puis parler un petit peu de l'historique, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie, puis tout ça, pendant que Alex est en train de faire la création de la pub. On va discuter aussi. Vous allez dans le fond participer à qu'est-ce que nous on fait comme travail lorsqu'on reçoit des demandes de nos clients. Puis on vous montre ça parce que ben on veut que vous soyez capable de le faire par vous-même aussi. C'est sûr qu'il y a des choses que vous pouvez pas faire au même niveau que nous juste par vous-même. L'optimisation des publicités, tout ce qui est dans l'analyse, la compilation, tout ça, puis faire en sorte que la publicité soit la plus efficace possible. Ça, c'est sûr que ça prend du temps puis ça prend beaucoup d'expérience avant qu'on devienne efficace là-dedans. Par contre, dans la création, puis juste mettre une pub en ligne, c'est quand même relativement facile. Fait qu'on va vous montrer comment ce qu'on fait puis comment on travaille. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Puis, sur ce, bon visionnement. Fait que, est-ce que tu avais des idées déjà de qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que là, faut que nous, notre objectif, c'est de faire une pub de marketeur pour le temps des fêtes. Yes. Ben, on est un peu late pour le temps des fêtes, puis surtout si on le place sur évidemment, deux... Évidemment, cette pub-là ne sera pas utilisée pour aucune campagne de Noël de ces temps-ci, parce que si vous avez commencé votre campagne de Noël, puis il est le 22 décembre, je suis désolé de vous le briser, mais il est trop tard. Il va falloir attendre l'année prochaine pour ça, parce que la compétition, non seulement la compétition est déjà trop énorme, mais vous n'avez pas eu assez de temps pour faire vos analyses, pour... pas juste faire vos analyses, mais pour faire en sorte que vos pubs soient le plus optimisées possible pour le temps des fêtes. Puis même si jamais tout est optimisé, tout est parfait, blah, blah, puis vous lancez actually votre campagne maintenant, mais il est trop tard, les gens, la majorité, ils ont déjà acheté leur cadeau le 22 décembre, parce que c'est dans 3 jours Noël, on va se le dire, on va pas se le cacher. Fait que, vous êtes late. Mais sinon, on va quand même faire dans ce thème-là tout ça pour vous montrer qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'année prochaine. Puis là... Sans que ce soit l'année prochaine, la publicité, ça se fait à n'importe quel la moment. Ça se fait à n'importe quel moment, ouais, en effet. Mais là, nous, on veut essayer de faire quelque chose dans le temps de Noël, le temps des fêtes, tout ça. Évidemment, on a environ une heure, moins d'une heure. Donc, c'est pas le truc le plus visuellement beau ou visuellement complexe qu'on va faire. Parce qu'on va mettre aussi beaucoup de thinking, tout ça, pour montrer un peu qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce que les objectifs qu'on veut atteindre. Puis, c'est fort probable que ce live-là de création de publicité dure plus qu'une journée. Donc, ça se peut que, je sais pas, moi, pendant le prochain live ou les deux prochains lives, ça se peut qu'on continue encore sur ça. Donc, on va voir avec le temps qu'on a, la vitesse qu'on a travaillé, tout ça. Ouais. Ben, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va probablement être capable de faire la portion créative. Donc, on va faire tout le design de au moins une pub. Là, je veux qu'on... Si on peut réussir à avoir un visuel, puis après ça, on fera du A-B testing pour la modification. Puis au pire, dans le prochain live, la semaine, on va montrer comment faire la mise en ligne de la publicité. Donc, là, la pub qu'on veut faire, c'est une pub de semi-Noël, une pub du temps des fêtes. Donc, l'idée qu'on avait à la base, c'était d'essayer de trouver un moyen de mettre de l'avant nos services marketing. Parce que là, tu sais, oui, on fait une pub pour vous le montrer, comment on fait, mais en même temps, on veut aussi faire une pub pour vrai. C'est la pub qu'on fait aujourd'hui, vous allez la voir en ligne. Elle va être présente. On la fait pour vrai. Fait que nous, on veut mettre de l'avant nos services. On est une entreprise, une agence de marketing. Puis le but, c'est de faire différent des autres. Les autres compagnies, qu'est-ce qu'eux, ils font d'habitude? Fait que je sais pas si tu veux commencer à noter tout de suite, Alex, qu'est-ce que les compagnies font ou la concurrence, c'est quoi les trucs qu'ils mettent de l'avant? En général, ces compagnies-là, c'est surtout ce qu'on appelle des lead magnets. Donc, ils vont donner un e-book, ou ils vont donner un template, ou ils vont donner quelque chose de gratuit en échange de votre adresse courriel. Nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Aujourd'hui, nous, on veut juste faire une pub pour augmenter la notoriété de notre entreprise. On veut pas avoir de trucs à donner nécessairement. On veut pas donner de e-book parce qu'on n'a pas le temps d'en écrire un en une heure. Fait qu'on va juste rester sur les bases. Fait qu'on va créer une image. Puis c'est ça, on va essayer de rester dans les thèmes du temps des fêtes.
puis comment est-ce qu'on peut mettre de l'avant notre agence de marketing. Fait que, à la maison ou à votre bureau, là, tout dépendant d'où est-ce que vous nous regardez, si vous voulez le faire avec nous, c'est facile, vous avez juste à ouvrir un logiciel où est-ce que vous pouvez modifier les images. Là, vous vous dites probablement, oui, mais j'ai pas ça, moi, Photoshop, ça coûte cher. Oui, c'est possible. C'est pour ça qu'il y a des options qui sont moins chères. Il y a Canva, notamment, donc C-A-N-V-A, que vous pouvez utiliser. C'est plus limité. Très simple à utiliser, par contre, malgré que c'est limité. Puis il y a tout le temps, quand c'est limité, c'est jamais réellement limité. Il y a tout le temps des workarounds que vous pouvez faire qui vont juste être plus longs, quelque chose comme ça, qu'une application aussi complexe que Photoshop. Mais généralement, vous pouvez faire la majorité des affaires que vous pouvez faire avec un produit Adobe. Exact, exact. Mais dans le fond, si on s'entend que si vous avez jamais fait de publicité puis vous voulez commencer à en faire, vous donner l'équivalent de la NASA en termes d'options, ça va être trop pour rien. Fait que vous êtes mieux de commencer avec Canva pour avoir pour pouvoir modifier vos images. Donc, champ lexical, on a Noël, on a marketing. Il nous faudrait peut-être deux autres gros termes à exploiter. Pour? Je suis dans ma bulle. T'as écrit Noël marketing. Moi, je mettrais peut-être genre deux autres gros thèmes avant de rentrer dans les sous-thèmes. Donc, on a Noël. Ah, quoi que. Non, on peut garder les deux puis juste travailler autour. Ouais. Ils sont assez larges. Fait que Noël, ben, il y a cadeau. Which is c'est un peu évident. Il y a rassemblement, sauf cette année. C'est un fait. Il y a famille. Tu me dis c'est trop vite. Je suis pas le plus rapide pour écrire malheureusement en général. Mais je vais faire de mieux pour ton truc. T'as dit famille. Famille, ouais. Sauf que famille, on peut le mettre comme rassemblement. En fait, non, c'est mieux de dire famille ici, puis rassemblement après. Puis, admettons, on va prendre ça. On va remettre le carré blanc normal. On peut marquer neige, froid. Et j'ai oublié comment utiliser Photoshop pratique. Bon. Bon, fait qu'en attendant que Alex est en train de réapprendre Photoshop, ouais. De réapprendre comment utiliser son outil. On va parler, vous et moi, de qu'est-ce qu'on est en train de faire présentement. Donc, ceux qui viennent de rejoindre, on est en train de préparer un champ lexical. Donc, je sais que lorsque vous faites de la publicité, si vous êtes, mettons, vous êtes la seule personne en charge de plusieurs départements, puis vous devez vous occuper aussi du marketing, le champ lexical, vous allez peut-être vous dire, j'ai envie de le sauter. Je le vois, le nombre de vues, puis de personnes qui arrivent sur le live, puis qui repartent. Quand on voit un champ lexical, puis on pense que c'est ça qui va faire une pub ou pas, c'est vraiment important d'en faire un parce que si on n'en fait pas, on va se lancer dans toutes les directions en même temps, puis on n'aura pas une idée claire de qu'est-ce qu'on veut faire avec la pub, qui est-ce qu'on cible, puis c'est quoi le but de la pub. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent juste payer pour mettre de l'avant une photo parce qu'elle est belle ou qu'il y a une promotion ou quelque chose, mais ils vont pas s'attarder nécessairement à c'est quoi le message de la pub. Fait qu'il y a trois points qui sont importants. Il y a qui est-ce qu'on cible. C'est quoi le but, puis comment est-ce qu'on veut les atteindre. Fait que dans le champ lexical qu'on est en train de faire présentement, ça va nous donner assez d'idées sur, ben dans le fond, nous on sait qui est-ce qu'on cible. On cible les entreprises, les PME du Québec, plus particulièrement les petites à moyennes entreprises. Donc, on cherche ces entreprises-là qui veulent se développer au niveau du marketing. Puis qui n'ont pas nécessairement énormément de budget à accorder à cette division-là. Dans la plupart des entreprises, ils n'ont pas de division de marketing. En général, c'est une personne qui en charge la gestion de l'entreprise. Fait que, mettons, le gérant d'une pharmacie qui va être en charge aussi de gérer le marketing.
Fait que c'est pas un département en soi ou est-ce que c'est vraiment une personne qui est dédiée au design, une personne qui est dédiée à la création, une personne aux publicités, tout ça. Ça, c'est vraiment dans les grosses entreprises ou dans les PME qui ont un petit peu plus de budget, un petit peu plus de moyens qu'on va retrouver ça. Mais je mets ça de côté. Ce qui est vraiment important là, ici, le champ lexical, que vous soyez une grosse entreprise, une petite entreprise, que vous soyez tout seul dans votre entreprise, c'est vraiment important de le faire. Peu importe si vous voulez faire une seule pub pour l'année, vous voulez en faire 32. Même si vous ne voulez pas faire de pub, un champ lexical, c'est toujours utile parce que dans sur votre site web, en fait, ou sur toutes les places ou les plateformes où est-ce que votre entreprise va être présente, ben, c'est important d'avoir un certain champ de mots-clés que vous allez utiliser pour qu'on sache que quand on voit, mettons, c'est Noël, famille, rassemblement, marketing, quand on voit Noël ou marketing, qu'on fasse « Ah ouais, Handshake! » Ben oui, Handshake, j'ai vu la pub, je sais Handshake, je connais ça, c'est une agence de marketing québécoise. Elles sont super cool, puis ils sont vraiment hip avec avec le marketing, ils sont on top sur les trends. Donc, c'est vraiment important parce que là, c'est ça, ça vous permet de cerner vraiment qu'est-ce que vous voulez faire avec votre pub. Comme là, ici, vous voyez qu'Alex a écrit deux gros termes, donc Noël puis marketing, qu'on ne voit plus, mais qu'on voyait tantôt. Facile, je vais faire plus de place pour Noël, puis faire une autre page après pour... OK, fair enough. Puis... Donc c'est ça, une fois qu'on va avoir réussi à compléter le champ lexical, ben après ça on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on veut que notre publication fasse, qu'est-ce qu'on veut que notre pub fasse, puis c'est quoi le but de notre publicité. Fait que je sais pas, on a l'air d'être quand même une couple de personnes. Si vous avez des suggestions, des questions pendant qu'Alex fait ça, c'est quand même un petit bout de temps que ça va prendre. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre en attendant. Sinon, s'il y en a qui viennent d'arriver et qui savent pas trop de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, vous pouvez écrire des commentaires aussi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc c'est ça. Fait que la pub qu'on veut faire aujourd'hui, en gros... On a une certaine idée de qu'est-ce qu'on veut faire. Là. On veut essayer un thème qui s'appelle « Adopte un marketeur ». Donc, pour les entreprises qui n'ont pas de département de marketing puis qui veulent avoir une équipe dédiée à eux, on va essayer de faire une publicité qui fait en sorte que c'est genre un cadeau que tu déballes puis il y a un professionnel en marketing qui est dans l'emballage cadeau. C'est un peu ça l'idée qu'on veut faire. Faire un petit peu en sorte que ça soit genre un cadeau à offrir à peut-être un professionnel que vous connaissez, quelqu'un qui en aurait besoin. Donc c'est un peu vers ça qu'on veut s'enligner. Si jamais vous avez des modifications, des contraintes que vous voulez nous ajouter, que vous voulez qu'on mette dans la pub, n'hésitez pas. Puis c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je sais pas, Alex, t'es rendu où dans ton champ lexical? How can I help? En me donnant des mots. Là, on a Noël qui est notre thème principal, puis après ça, on va aller le diviser en sous-groupes. Dans le fond, plus on éclate chaque mot, plus on va réussir à avoir un champ lexical qui est plus complet. Le but du champ lexical, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'avoir une idée puis d'être capable de cerner des termes communs qu'on peut mettre en relation pour la publicité. Fait que, tu sais, mettons, là, on voit Noël. Il y a famille, hiver, Père Noël, Pôle Nord. Fait que, on a parlé tantôt, on veut mettre un cadeau. Okay, un cadeau, il va peut-être avoir la couleur rouge qui est associée à Noël. Il y a le feu, la cheminée, calendrier de l'Avent, c'est tout des trucs qu'on peut retrouver dans la publicité qu'on souhaite faire. Tout dépendant du message qu'on veut faire passer. Fait que là, présentement, on a calendrier de l'Avent.
Je pense que j'ai regardé sur Discord parce que sur Facebook, je vois tout flou. Paisible, chaleureux, le gâteau, bûche, générosité, cadeau, rassemblement, Pôle Nord, rouge, Père Noël. Ok. Toi, tu veux en faire combien? Jusqu'à ce qu'on me dise d'arrêter. Ok, ben je pense qu'on peut peut-être arrêter pour Noël. Je crois qu'on en a quand même pas mal pour travailler là-dessus. T'avais-tu mis des émotions? Ouais, chaleureux, paisible. Chaleureux, générosité. C'est pas tant une émotion, la générosité, mais fair enough. I know. C'est une valeur, I guess. Généralement, il y a peut-être nostalgie aussi, tradition, je sais pas. Oui, c'est bon ça. Ok, fait que là, attends, si on veut faire plus hiver, on peut faire notre thème de couleur, ça peut être le blanc et le bleu pour justement la fraîcheur, le froid, etc. Donc, mettons comme. Je sais pas, Excel, eux autres, ils sont beaucoup sur la fraîcheur, tout ça, dans le temps des fêtes, ça change pas vraiment, ils vont pas changer leur branding pour du rouge et vert, blablabla, ils vont plus axer sur la fraîcheur. Ou sinon, on peut toujours faire vraiment Noël, puis aller vers les couleurs du rouge, le vert. Le vert, je sais pas si je pense que j'ai même pas noté vert nulle part, mais. Regarde, c'est pas compliqué. Si je veux rajouter le vert pour le Père Noël, tu peux écrire lutin. Il y aurait ça ici. Oh. Ici, lutin. Après, vert. I don't know, comique. C'est comme un terme que j'ai pas utilisé depuis genre des années, mais on va l'utiliser pour aujourd'hui. Sauf que là, il est 6h23 déjà. Fait qu'il faudrait peut-être qu'on switch à marketing. Le temps, il passe tellement vite. Jesus. C'est quoi que tu m'avais dit aussi d'ajouter avant? Tradition. Puis nostalgie. Moi non plus, j'avais pas vu que l'heure était déjà avancée. Fait que les gens qui nous écoutent, si jamais vous avez un commerce ou vous avez une entreprise, puis que vous avez pas de temps nécessairement à faire de la publicité, ben je vous encourage à, pendant le live, ouvrez-vous une autre fenêtre en écoutant le live, puis suivez avec nous qu'est-ce qu'on fait comme méthode. Puis c'est ça, parce que vous pouvez pas télécharger nécessairement de vidéos, là, quoi que. Je crois que nos lives sont disponibles en rediffusion, mais c'est ça. Si vous voulez le suivre en même temps, ça vous donne l'occasion de poser vos questions, parce qu'après ça, quand vous l'écoutez en rediffusion, ben on n'est plus là pour répondre aux questions en live. Donc ouvrez-vous un Word, ouvrez-vous un Notepad, puis écrivez des termes que vous voulez pour votre publicité. Ou tu sais, nous on fait une publicité présentement, mais vous pouvez faire aussi une publication. Ça peut être des posts que vous voulez faire sur Facebook, sur Instagram. Ça peut être le site web que vous voulez changer le design. Le champ lexical, là, c'est applicable pour pas mal tout. Puis la méthode qu'on va utiliser, dans le fond, il y a juste quand on va être rendu dans la section mise en ligne de la pub, puis l'optimisation de la publicité, que là, oui, ça va être applicable seulement pour la pub. Mais c'est ça, là, les étapes qu'on fait présentement jusqu'à la création visuelle, ça va être pas mal applicable pour tout ce que vous avez besoin. Que ce soit pour des posts sur vos réseaux, que ce soit... C'est ça, là. Ok, bon, on va dire que ça, c'est notre champ lexical de Noël. Puis après ça, on va faire... Finalement, aujourd'hui, ça va être juste le champ lexical, hein, il y aura même pas de création, rien. Parce qu'après ça, ben, on a déjà pris 24 minutes pour juste la partie de Noël.
Après la partie Noël, ben on va aller vers la partie marketing parce qu'on veut essayer de faire une association justement avec les deux pour le temps des fêtes. Puis une fois qu'on a fait les deux champs lexicaux, mais après ça, il faut trouver les corrélations des deux parce que tu peux pas juste faire tes deux champs lexicaux complètement différents. Puis après ça, faire OK, j'ai fini. Puis après ça, tu n'as fait aucune corrélation, aucun lien, rien. Fait que tu fais juste pitcher les deux puis tu essaies de faire quelque chose. Faut que tu essaies de matcher quelque chose avec l'idée que tu veux obtenir pour justement que les valeurs, les couleurs, tout soit bien représenté finalement avec le produit final. Donc, ça qui était supposé être note, mais que finalement on n'a pris aucune note, ça va être champ lexical part 2. Là, ici, marketing. Alright, fait que là, ben, celui-là, il risque d'être un petit peu moins long. Là, on n'est pas obligé de faire éclater au maximum. C'est sûr que Noël, c'était plus intense parce qu'il y avait beaucoup de sous-sujets qu'on peut exploiter. Il y en a aussi, il y en a aussi beaucoup qui sont plus, sont moins faciles à trouver. Noël, De parce quoi tu que, parles? Pour marketing? ben, je veux dire, il y en a beaucoup, même autant pour le marketing à trouver. C'est juste que Noël sont plus évidents parce que c'est toutes des affaires que c'est comme un classique, si tu veux. Tu comprends Ouais, ce que je mais veux dire? Quand tu penses à Noël, toutes les choses qu'on a nommées, c'est qu'est-ce qui te font rappeler directement Noël. Puis le marketing, c'est un peu plus difficile parce que c'est pas une tradition de valeur ou quelque chose qu'on a vécu depuis qu'on était jeune. Fait que tu peux en trouver autant, c'est juste que ça prend plus de temps. Moi, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus rapide le marketing que Noël, mais ce que je disais, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire éclater en 20 millions de parties, vu qu'on sait un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire déjà avec le côté marketing. Fait que, ben, quand tu parles de marketing, évidemment, on parle de publicité. On parle de marketeur. Faut mettre PME à quelque part et entreprise. Sinon, les trucs qu'on veut mettre de l'avant, mais c'est surtout les services qu'on offre. On parle souvent d'aller augmenter le nombre de clients. Fait qu'il y a le terme de, c'est ça, l'augmentation, la richesse. On fera pas une pub à la gourou où est-ce qu'on veut. On va vous dire, ah, si vous voulez faire de l'argent, faites affaire avec Handshake. On va pas jeter de l'argent non plus dans une poubelle pour montrer que vous dépensez votre argent n'importe comment. En effet. Ok. C'est quoi, t'avais dit ce qu'on t'a dit? L'autre devant, que j'ai pas noté. Faire de l'argent, avoir du revenu. Ouais, avoir augmenté ses revenus. Ah, tu peux marquer efficacité. Automatique, c'est des mots qui reviennent souvent. Okay, fait que tu dirais que l'efficacité entraîne l'augmentation des revenus ou tu dirais qu'augmenter ses revenus augmente l'efficacité? L'inverse. C'est ça, Ouais. hein? Makes a lot of more sense. C'est plus facile quand j'ai mis sur le background le truc. OK. Le marketeur. C'est ton cravate. I mean, c'est un préjugé, fait
quand tu fais une pub, tu veux que ce soit max préjugé. Et préjugé, tu veux dire, ou stéréotype, pas préjugé. Faut que ce soit full stéréotypé. Parce que les gens, après ça, ben les gens, ils ont déjà une image de quoi c'est quoi un marketeur en général. Puis, mettons, eux autres, un marketeur, surtout les gens qui connaissent pas c'est quoi, blablabla. Ben, dans leur tête, c'est quelqu'un en veste en cravate. Obviously, on est tout le temps en veste en cravate, nous autres. l'image justement que les gens en marketing, c'est soit du monde qui ont de l'argent pour gérer les budgets, faire les pubs, blablabla. Puis ils ont tout dans leur tête que le marketing, c'est juste les riches, les grandes entreprises qui ont ça. Which is not the case. Mais il faut quand même. Ou que c'est un scam. Ou que c'est. Oh mon dieu, ces gens-là. Oh. Hey, ben, legit, tu peux le mettre dans le champ lexical, scam. Yeah, on peut le mettre scam, mais ça sert à rien parce qu'on l'utilisera pas. Ou rien qui est en lien. Ben, I guess tu peux mettre pas un scam. Ouais, tu sais. Pour que tu dises que c'est pas un scam, mais quand tu dis que c'est pas un scam, ça a l'air scammy. Totally not a scam. Exact, c'est exactement ça. Ok, fait que. T'as-tu d'autres idées? Parce que là, notre champ lexical est un peu vide. Regarde, on peut faire. Ouais, visuel, branding, on peut mettre un peu de nos services là qu'on fait, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop donner de juste nos services parce que ça fait trop vente. Ouais. C'est pas ça que je veux. Ah ben on peut parler de Handshake. Mets une branche Handshake avec nos valeurs. Parce que la pub est pour nous. Ah ah. Fait que transparence, honnêteté et authenticité, mesdames, messieurs. Pour ceux qui écoutent, c'est pour ça que vous retrouvez aujourd'hui un live où est-ce qu'on vous montre comment on fait. C'est l'équivalent d'un chef cuisinier qui vous montre sa recette secrète. Évidemment, vous pouvez essayer de reproduire. C'est ce qu'on vous encourage à faire. Ce qu'on s'est fait dire le plus puis praise le plus pour l'instant, c'est ça. Jeune et hip. On est hip. Bah, peut-être pas hip, parce qu'on dirait qu'on parle de danse. Mais... On est jeune puis on est hip. Je sais pas combien de fois qu'on s'est fait dire ça là. Which is true, parce que c'est pas mal notre branding pour l'instant d'être jeune puis hip, mais. Oh my god. Authenticité, je sais écrire, je sais. Ça l'avait écrit comment? C'est comme ça que ça s'écrit? Yeah. Ah ouais. C'est sûr, là, je regarde ta caméra pour voir si tu me juges si j'ai fait une erreur ou pas. Transparence, puis ok. Mettons qu'on met des émotions associées au marketing. Genre en haut là, de marketing, c'est pas mal ça qui reste comme espace. Ouais, c'est vrai, on roule tout en VM. Tout sans exception. Voilà. Sur Mario Kart. Ok, cool. Ouais, la confiance, je voulais le mettre. Les émotions, il y a la paix d'esprit. Oh! Ah! Ça adopte va. Un marketeur. Pour blablabla, paix d'esprit. Genre pour dire comme, ah, t'as pas besoin de t'en soucier de ton marketing. Ouais. Ouais. Pour ceux qui le savent pas, à chaque fois que Olivier propose une idée, à chaque fois, ma première réaction, c'est ça. Puis je vais y revenir peut-être 15 à 20 minutes plus tard pour dire, hey, c'est une super bonne idée, ton affaire. Mais je suis tout le temps susceptible au début. C'est pas ça. J'ai une idée, puis après ça, je vais me voler son idée. Ouais, ok, ça aussi, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est, toi, quand tu suggères de quoi, je dis genre, ah, c'est moyen, puis après ça, je reviens avec la même idée, puis je fais, oh my god, c'est une full bonne idée. Puis après ça c'est moins que la même chose. On est tellement hypocrite. ok. Bon, paix d'esprit,
Ah, mais regarde, on va le noter. Ah, il n'y a plus de page note. Offrez un marketeur pour une. On va dire meilleur. D'esprit, on va changer le wording puis tout, mais this is note, so we don't care what it looks like. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le champ lexical, c'est une partie, une des multiples parties qu'on a à faire. Mais c'est important aussi de faire plusieurs wordings différents lorsqu'on fait une pub. Comme là on a mis un wording dégueulasse. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, comment ça sonne, t'es blabla, puis après ça, t'es les jeux de langue que tu peux faire, la sonance, etc. pour que ce soit que ça rentre le plus facilement possible dans la tête des gens. Possiblement possible, oui. Possiblement possible. Ok, fait que paix d'esprit, on peut rajouter genre calme, ça peut être. Moi je vois genre quelqu'un qui est sur le bord de sa piscine. Réduction de stress. C'est beaucoup ça. Calme. Oh, ok. Calme-toi. Ouais, démarrage, puis on va marquer aussi manque de temps pour PME. Ben, je crois que ça s'applique à la multinationale aussi. Là. Le manque de temps? Ouais. Yeah, généralement, ils sont souvent très occupés. Pas comme nous autres, nous on a rien à faire. Exactement, on grande. Par exemple, la PME, généralement, elle a ça. Mon argent. La multinationale. Beaucoup d'argent. Alright, ben je pense qu'on en a quand même, on en a quand même pas mal de fait. Ah, c'est peut-être juste rajouter genre changer les normes ou changer les statuts, tu sais, un peu genre rebelle. Pour nous? Ouais, rebelle. Ouais, pour nous. Rebelle. Oh mon dieu. Mais c'est pas rebelle, mais c'est quel âge? Défier le. Je sais pas. Défoncer des portes. Défoncer des portes, ouais. Non, ok, attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le fond, c'est juste de. Mais on fait pas. On est différent des autres, on est unique, on est. C'est ça, tu veux qu'on se démarque? Démarcation, se démarquer. J'aime pas le terme rebelle, je trouve que c'est tellement weak. T'aimes pas ça quoi? Le terme rebelle, je n'aime pas. Non, mais c'est pas rebelle que je veux dire, mais c'était comme. Oh my god, ah, désolé tout le monde. Merci. je suis 100% désolé. Ok, bon. Ok, fait que là maintenant on va faire le jeu des associations. Une fois que vous avez vos termes qui sont sortis, c'est le moment de créer des sentiments que vous voulez que votre pub adonne, soit le message que vous voulez que ça passe. Ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être des phrases, ça peut être des associations de deux termes. Donc, nécessairement, on a marketeur et Noël qu'on veut associer, on a handshake et Noël qu'on veut associer. Là, après ça, on a plusieurs pistes qu'on peut entreprendre. Il y a soit la piste du calme, paix d'esprit, réduction de stress, que le propriétaire d'entreprise ou la personne qui est en charge de l'entreprise va bénéficier si elle utilise nos services. Sinon, il y a le fait que c'est... on est hip. Il n'y a pas de mot français pour ça. On est tendance, I guess, mais c'est pas vraiment tendance. Ben, I guess, c'est ça que ça veut dire, non, hip? Tendance? On est pas... C'est... Ouais. Au goût du jour, on va dire ça de même.
Non, ok, on va rester avec tendance. T'aimes pas mon wording de boomer? Non. Ah, c'est quand même drôle qu'on est considéré comme étant hip, mais que je suis pogné avec un boomer. Yes. Quand je me rapproche de la vieillesse, j'ai eu 21 ans hier. Ouh. Ouh. Oh, hey, c'est ton année. Non, c'est pas ton. C'est-tu ton année chanceuse? Je pense que ouais, parce que je vais avoir 21 ans tout au long de 2021. Ouais, c'est ça. Parce que, j'ai eu 21 ans en 2020, mais tout au long de 2021, genre, c'est quoi, 11 jours avant de 2021, fait le 21 décembre 2020, ah, ça aurait été fou, hein, ça aurait été le 21 décembre 2021. Ben, c'est, ouais. J'aurais dû être né une année plus tard. Ugh. Toute la faute de tes parents. Quelle erreur! I do not endorse this. Handshake does not endorse this. Ok, fait que là, ce que vous voyez sur votre écran qui est très petit, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça par contre. Les gens qui regardent le stream, c'est vraiment, vraiment flou. Ouais, mais ça c'est Facebook puis la compression Facebook. I can do nothing with this, unfortunately. À moins qu'éventuellement on commence à stream sur quelque chose comme Twitch. Peut-être. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le nous. Fait que t'es en train de toucher des neurones là ou? Ouais, j'essaie de trouver des liens entre les choses. Ok, moi je dis on fait genre un truc funky, genre on fait une proposition d'idée funky, ou une catégorie, ouais, okay, on fait une catégorie funky, une catégorie plus genre sobre, puis peut-être que dans la catégorie sobre, on peut réussir à rendre ça funky. Peux-tu définir funky, c'est comme un terme que j'ai jamais entendu, littéralement. D'accord, mon petit zoomer. Funky, c'est qui sort un peu, là, qui... Parce que quand je pense à Funky, je pense à Funky Town. Ben c'est ça, là, c'est des gens genre en pantalon éléphant, puis qui dansent. Yes, mais ça c'est dans les années genre 70-80. Ah oui, mais Funky, ça veut dire genre plein de couleurs avec des trucs weird. Genre, t'as vu la pub de Sid Lee avec le lait? Ouais, okay. Fait que ça c'est Funky. Kind of, ouais. Ouais, ok. Je vois. Mais attends, je sais pas si on parle de la même pub de Sid Lee. Celle qui est dans les abribus, là, présentement. Je vois. Ouais, c'est ça, tu vois pas de quoi je parle. Non. Ok, regarde, on va... C'est juste de trouver un autre terme que funky, si t'en as. Ok, attends. Fait que, dans le fond, tu veux jouer sur la définition de... Comme une pub étrange qui va attirer l'attention, là. Comme l'affaire que tu m'as envoyé avec tous les marketeurs qui étaient tout nus. J'ai fait ça, moi? Ben, il y a une... Oh oui, je m'en rappelle, oui. Ouais, ben, il y a une campagne où ils sont tous... Ben, ils sont cachés par les droits d'affaires de travail, là, whatever, mais... Je sais... Que ça attire l'attention, ouais. Là, attrape œil. Que ce soit weird, ouais, que ce soit weird, mais sans trop être weird. Non, en fait, tu veux que ce soit hyper weird, puis qu'on essaie de l'épurer avec la section sobre en dessous, pour faire un mélange des deux, c'est ça? Exact. Je veux qu'on parte, genre, tu sais, on a les deux catégories. On a la catégorie des idées vraiment what the hell, puis on a les idées sobres. Tu sais, sobre, c'est genre, il y a une canne de Noël, puis c'est écrit comme offrez-vous le plaisir d'une agence marketing. Offrez-vous handshake. Ok. Le luxe à petit prix. Fait qu'ici, on écrit ça. Ouais, mais on... Non. Ouais. Funky. Ah. Funky it up. Funked up. All good. Funked up. Mais c'est correct, sur Facebook, je pense qu'on a le droit de dire le SIMP. Je vais pas le dire juste parce que je suis pas sûr, mais... Ouf. Pour ceux qui savent pas, jusqu'à récemment, sur Twitch,
sur la plateforme, il y a le terme simp qui a été banni. Le terme simp qui était utilisé à... On s'en fout! Ça s'est pas banni sur Facebook, c'est sûr. Je sais pas. C'est tellement ridicule. Dans le fond, simp, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le monde qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent ou qui veulent juste l'attention d'une fille qui leur donnera jamais rien en retour. Puis, ben, sur Twitch, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de filles qui profitent de ces gens-là pour se faire de l'argent. C'est un fait. Puis, ben, justement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ça, puis qui aimaient pas ça quand, de se faire appeler simp, mais Twitch ont banni le mot de la plateforme. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de mots qui sont pas encore bannis. Comme vous pouvez dire le mot retardé, admettons. Qui, on s'entend beaucoup pire que c'était souvent un sujet de controverse pis tout. Ce mot-là n'est pas banni, mais ils ont banni simp en premier. Parce que c'est eux qui leur attirent le revenu. Ça, je comprends. Mais je trouve ça drôle quand même. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que le temps passe aussi vite pis qu'il est déjà, il est déjà 7h moins quart. Ok, fait que ça, c'est un truc que vous devriez apprendre entre moi et Oli. Les deux, on est hyper TDA. Fait que... Ben, quand même. On va avoir le champ lexical de fait. La semaine prochaine, ça va être la création visuelle. Fait que là, on va essayer de faire des phrases pour associer. On va essayer de faire des phrases en associant les deux parts, ok? Fait que là, tantôt, dans le truc de notes qui est ici, on a dit offrir un marketeur pour une meilleure paix d'esprit. Ça serait sobre. Ouais. Mettons le luxe à petit prix. C'est pas étonnant, mais c'est pas mauvais non plus. Puis le luxe, tu l'associerais à Noël? Ouais, genre offrir le luxe à petit prix. Offrir le luxe à petit prix. I guess. J'avoue qu'on peut associer à Noël. Plus on en a, mieux c'est, là. Ouais, c'est toujours comme ça. Après ça, quelque chose de funked up. Marketeur dans une boîte à cadeaux. Ça, c'est pas mal funked up. C'est quand même funked up. J'aime tellement ce terme. Oh, c'est le... Je pense que c'est une des meilleures choses que je suis venu en 2020. Hashtag funked up. Alright. Ensuite. Ok, attends. Qu'est-ce que le Père Noël peut. Oh! Dude! Ouais, vas-y. Le Père Noël qui veut faire du marketing pour. pour son usine. Pourquoi c'est rendu aussi gros? Ok, on va faire avec. C'est parce que. Pourquoi le Père B? T'as quelque chose contre l'orientation sexuelle du Père Noël? Merci. Non, on la connaît pas. Père Noël veut faire du market pour son. Comment t'appelles ça? Son. Pas son établi, pas son. Son usine? Son. Son usine. Oh non. Son atelier. Atelier! Oui. Parce que le Père Noël, c'est un saint. Il n'y aurait pas une usine où est-ce qu'il soupait ses lutins. Who knows, peut-être. Ça serait quand même triste. Ah, mais le Père Noël est quand même blanc, hein? Fait que... Whoa! And Shake does not endorse this, buddy! Whoa! Je suis désolé. Ok, fait que le Père Noël qui veut faire du marketing, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre d'idées funked up? Hey! Wow, this is close one. Let's keep this family friendly, hein? Ouais. Père Noël veut faire du marketing pour son atelier, c'est assez nice. Pour le truc du la boîte à cadeaux, moi je veux genre une situation vraiment weird. Ou est-ce que c'est comme un cadeau mais que personne a vraiment genre, on sait pas c'est qui l'a donné. Il y a juste genre, un marketeur en veston cravate dans une boîte cadeau qui vient d'être ouverte. Puis il y a toute la famille autour qui sont comme mais what's that? Oh non, un bébé veston cravate avec une moustache. Ouais, mais si on offre, un bébé, si on met un bébé, parce que ça va juste montrer qu'on est apprenti ou qu'on n'a pas d'expérience, whatever. Okay, true, ouais. True. Mais je sais pas, si c'est. On va voir. Mais le bébé.
Parce que visuellement, elle représentait certaines choses. Non, pas pour le bébé, l'histoire du bébé. Mais l'affaire, c'est qu'elle représentait ça visuellement du monde qui sont weirded out par un adulte qui sort d'un cadeau. Yeah, ok. Ok, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer. Fait que on va mettre ça en parenthèse. Les adultes jugent. Mais pour ton truc de bébé, on peut faire un espèce de mime où est-ce que c'est genre d'un côté t'as une famille qui a adopté un kid, puis de l'autre côté t'as une famille qui a adopté un marketeur qui est en veston cravate, genre puis ils tiennent par la main. Genre c'est la même situation mais côte à côte. Ok. Adopter un marketeur à la place d'un flow. Non. Adopter un marketeur à la place d'un bébé. La main. Yes. Adopter, c'est EZDO. Ouais, non, ok, mais moi je dis, je le voyais pas comme si tu veuillais adopter un marketeur. Ah, d'accord. Je vous crois. Moi je le disais à l'infinitif parce que généralement tu mets les trucs à l'infinitif quand tu mets des phrases. D'accord. Ok, what if c'est le Père Noël dans son sac qui a. Je sais pas comment qu'on peut Ok. le décrire, mais c'est. Fait dans le Il fond, dans ta tête, là, toi, tu veux absolument qu'il y ait un marketeur qui se fasse transporter partout dans les temps des fêtes. Fait que tu veux faire. vient T'en fais qu'est-ce que tu veux? C'est une campagne ou est-ce que le marketeur, c'est le cadeau, c'est tout? C'est de l'eau. ça? Ok. Bon, à la place de tout écrire les trucs différents, on va écrire juste ici. Le marketeur est un cadeau sous diverses formes. Parce que toutes les idées que tu m'as données pour l'instant, c'est pas mal ça. Ok. Fait qu'on On va peut faire. essayer de trouver d'autres choses. On va enlever le marketeur puis Noël, ok? On va essayer de trouver les autres valeurs, les autres trucs avec le marketing que donner un marketeur. Parce que c'est une bonne idée, puis c'est quelque chose qu'on va. C'est sûrement même ça qu'on va prendre, qu'on va faire. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait un max d'idées possible avec tout ce qu'on a. Le problème, c'est que tu l'as pas encore suggéré comme idée. Je sais. C'est ça qui est. Ok, mais ben déjà là, pour les couleurs, parce que il faut faire qu'on choisisse évidemment notre. Ouais, moi je pense rouge. Rouge et blanc, ça va être. Rouge et blanc, right? Ouais. Ouais, ça on est d'accord. Pas de vert. Surtout pas de jaune et noir, parce que nos couleurs, il fait fuck all Noël. Ouais, mais peut-être pour le logo, je sais pas. Mais. Ben, notre logo, on va le mettre en blanc pour que ça fasse le décor, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. Ok, fait que. Couleur. Principale. Rouge et blanc. Je sais pas pourquoi j'ai mis. Ok, quelle idée? Ok, on parle de Noël, mais est-ce qu'on parle aussi genre, on peut parler genre du début d'année pour que notre pub soit genre pas intemporelle, mais presque. Parce que si on s'en tient Ok, à notre au pire, test. pour repartir le nez en force. Ouais, une affaire de même. Parce que c'est ça, là, il est quasiment il est 7h moins 5. Fait que ça va prendre au moins genre 3 semaines avant qu'on aille le produit final Ok, à la caserne. bon, mais il reste 5 minutes. Fait qu'on va dire qu'on a fait déjà assez pour ça. Et nous, on a dit que ça allait être crack tough puis que ça allait être le plus tassé serré possible. Fait que les meilleures solutions pour. En fait, la meilleure solution qu'on a eue pour l'instant, c'est this. Alright, le marketeur est un cadeau, c'est divers. Mais moi, je Fait que dans le trouve que fond, c'est bon. c'est super bon. Je serais 100% d'accord avec toi. Le problème avec ça, par contre, c'est qu'on n'a pas fait de photoshoot. Fait qu'il faut qu'on trouve des photos puis qu'on les aligne de manière awkward pour que ça fitte avec les pubs qu'on va vouloir faire la semaine prochaine. True, mais on a Fait que une semaine. c'est le seul hic qu'on a pour ça. Ouais, mais t'as-tu le temps, toi? Ben oui. Ah, c'est vrai, tu finis ta session. Ça, c'est nice. Ah Mais, ok, cool. Mais, c'est ça. Fait que le marketeur est un cadeau sous diverses formes.
Puis là, les formes qu'on avait dit, c'est qu'il est dans le sac du Père Noël, t'as le Père Noël qui après ça. Au pire, on peut faire une histoire développement. Mais l'affaire, c'est qu'on va faire une campagne. Fait qu'évidemment, on va faire plusieurs images. Peut-être qu'en live, on va juste en faire une. Mais que hors live, on va faire d'autres pour complémenter un peu la situation. Puis ça, c'est Ben, peut-être des mettons, affaires qu'on. pour la création. C'est des affaires qu'on utilisera pour l'année prochaine. Ben, soit qu'on utilise pour l'année prochaine, ou soit qu'on. En début d'année, là. Non, Mais parce ouais, que le c'est Père ça. Noël il passe dans 3 jours là. Après ça, lui, il est en vacances, fait qu'on peut pas le louer Ah pour. oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est ça, pour la semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment juste passé les bases. On a parlé du champ lexical puis de la prévision de qu'est-ce qu'on veut faire comme idée. Puis la semaine prochaine, ça va être tout ce qui est visuel. Donc on va faire en live une création visuelle. Là, comme Alex a dit, on va faire plusieurs visuels, mais on va en faire juste un en live. Donc c'est ça. Puis après ça, si vous voulez voir les autres, il va falloir revenir à la semaine suivante où est-ce que là on va mettre en ligne la publicité. Donc, nécessairement, vous allez voir les autres visuels qu'on va avoir fait. Fait que. Ben, c'était pas All mal tout parce qu'il est déjà 57. Fait qu'on va commencer à se plugger. right, ben, si vous avez écouté notre live, puis vous avez retenu quelque chose, s'il y a une chose à retenir, c'est que nous, on s'appelle Handshake, on est une agence de marketing publicitaire au Québec. Puis on met de l'avant les entreprises locales au Québec. On veut les aider à petit prix. Donc, comme on a suggéré tantôt, offrir le luxe à petit prix, c'est pas mal. Ça nous décrit bien. On On est est transparent. jeune et hip, on est authentique, on aime ça se démarquer comme des rebelles, comme dirait mon cher partenaire. J'en ai une, ok. On est honnête et transparent. Exactement. Fait que vous allez voir, quand on va mettre la pub en ligne, vous allez avoir les résultats qu'on va avoir générés avec la publicité. Fait que vous allez pouvoir vous donner une idée avec le budget qu'on va avoir mis, le temps qu'on va avoir mis dessus, puis vous allez savoir exactement combien d'argent qu'on a dépensé, c'est quoi le retour qu'on a eu dessus. Ouais, l'année Si c'est prochaine. quelque chose qui peut vous intéresser, une fois qu'on va avoir terminé les lives, parce que ça se peut que vous ne soyez pas disponible la semaine prochaine ou l'autre d'après, si vous voulez avoir, je sais pas, sous forme d'une vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit, si vous voulez avoir accès à ça, dites-le nous, soit en commentaire ou envoyez-nous un message privé pour qu'on puisse créer une petite vidéo pour vous, pour que vous puissiez avoir les moments forts. Parce que là, on s'entend, on a fait 1 heure où est-ce qu'on a créé on a trouvé un champ lexical, mais ça peut se résumer à genre 5 minutes dans une vidéo, même pas, là. Donc c'est pas mal ça. T'avais-tu d'autres choses à dire, Alex? Non, j'avais rien à dire à part que tu dis qu'on fait des lives toutes les semaines, ouais, les mardis à 18h. Ben, je l'avais pas dit, mais toi, tu viens de le dire. Fait qu'on se revoit à chaque mardi à 18h pour les mardis marketing. Si ça vous tente de participer au mardi marketing, la semaine dernière, on a reçu Pascal Cadorette qui était venu. C'était très intéressant, super cool de le recevoir. Puis, c'est ça. Si vous avez quelque chose que vous voulez partager, si vous êtes un gestionnaire d'entreprise ou vous travaillez en marketing, puis vous voulez venir nous voir, ben envoyez-nous un message, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Sinon, on va continuer la partie de la semaine prochaine. Ou est-ce que finalement, ça va peut-être durer même plus que deux ou trois lives? Parce que vu le temps qu'on a pris, on a juste fait le champ lexical. Évidemment, la pub, là, je sais pas qu'est-ce qu'Olivier y pense en ce moment, mais elle sera pas diffusée avant Noël l'année prochaine. Fait qu'on pourra pas vous donner les résultats avant Noël l'année prochaine. Parce que tu sais, Ah oui, c'est vrai. veut ou veut pas, on fait une pub de Noël, puis il est le 22 décembre en ce moment. Fait que. C'est, tu sais, là on a les idées, tout ça, on va faire les pubs de base, mais c'est clair qu'avant l'année prochaine, on va les retoucher, on va voir avec les situations qu'est-ce qui se passe, blablabla, puis qu'on va les changer, puis que, etc., etc. Donc là, on veut vraiment juste vous montrer le procédé de créer une pub, puis bon, on s'est dit, c'est le temps des fêtes, tant qu'à faire, pourquoi on fait pas juste une pub de Noël pour faire un peu différent. Fait que c'est ça. Là aussi, il faut vous garder en tête, on a fait un champ Excel super compliqué, ou blablabla. C'est ça. Puis notre objectif en ce moment, c'est de faire quelque chose de funk top. Je pense que c'est le nouveau terme que je vais employer tout le temps, c'est tellement nice. Mais on essaie de faire quelque chose de super funky, comme Olivier a dit tantôt. Puis vous n'êtes pas obligé de faire des affaires aussi compliquées que ça pour faire de la pub. Comme vous pouvez voir, la majorité des pubs sur Internet, c'est le produit
quelques phrases sont cool avec une belle photo, un beau background, tout ça. T'sais, vous avez juste besoin de quelque chose de turbo simple, juste pour essayer au moins de faire partager votre publicité avec les autres. Pas besoin d'essayer de pogner l'internet avec le storm, puis je sais pas qu'est-ce que j'essaie de dire. Je sais pas qu'est-ce que t'essayes de dire non plus. De pogner. Ah, ben de. Comment t'appelles ça? Je... Comment détruire Internet, là, whatever. Non. Ah. Comment dire? Break the Internet. On va le dire en anglais. Comment break the Internet like a storm? Ah, ok. Ok, là, je comprends. Fait que c'était pas mal ça. C'était tout pour nous. Puis, ben, on se serre la main pour la semaine prochaine. Ciao, ciao, tout le Right. monde. Ciao, ciao.